parler. Salut à tous, c'est Ben de Benkargamine. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 13e épisode de Star Wars Squadron sur PS4. Après la bataille dans l'espace avec l'Empire, nous allons nous retrouver de nouveau au camp rebelle qui a été beaucoup affaibli avec l'attaque du port et du Starhawk. Allez, direction la salle de briefing. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, escadron Vanguard. On a un problème. L'Overseer est derrière nous et les renforts impériaux se déplacent pour nous isoler. On ne pourra pas les transpercer. On doit envoyer un message de détresse à nos alliés de la Nouvelle République et espérer qu'ils nous retrouvent à temps. Le problème, c'est que nous sommes touchés, dépassés en nombre, et que la nébuleuse de Ringali gêne déjà nos communications longue distance. Heureusement, la générale Syndulla a repéré un ancien centre de diffusion qui orbitait autrefois autour d'une lune proche appelée Galitan. Si nous restaurons ce centre sur Galitan, nous pourrons envoyer un signal de détresse aux forces de la République à l'extérieur de la nébuleuse. La mécanicienne en chef Zerelda Sedge dirigera une équipe de réparation pour y parvenir. Elle localisera aussi les satellites de communication pour renforcer notre signal de détresse. Plus nous aurons de satellites de communication actifs et plus notre transmission sera puissante. Terissa doit le savoir également. Nous pouvons encaisser des pertes mineures avec les satellites de communication. Mais moins nous en perdons, plus vite nous pourrons demander de l'aide à Chandrila. Mais les chasseurs de l'Empire ne doivent pas détruire le centre de diffusion. Si nous le perdons, nous mourrons. Protégez Zerelda et les satellites de communication. Je demanderai de l'aide dès que le signal sera assez puissant. D'ici là, il ne nous reste plus qu'à attendre. Et espérer. Allez, c'est parti. J'ai pas les U-Wings s'assurent que l'escadron vole sans interruption. Des chasseurs d'assistance sont spécialisés dans la désactivation de chasseurs ennemis et le renforcement de l'escadron. U-Wing. C'est beau, c'est effrayant. Ok, Vanguard. Oui. Le centre de diffusion est tout prêt. J'espère qu'ils sont retirés. Regardez ce que la nébuleuse a fait à cette lune. Imaginez les dégâts sur nos vaisseaux. Ça pourrait être pire, on pourrait être dans l'abysse des avions. Ou mort dans les champs de mines. Eh oui, Zerelda a tout compris. Où est où ce centre de communication? Voilà le centre de diffusion. Début de la procédure d'amarrage. Je vais réactiver cette vieille relique rapidement. Ouais, j'aimerais bien que ça aille quand même. Finissons-en avant que l'Empire ne remarque notre présence. J'en tremble de peur. Vous n'êtes pas inquiète. Keo, j'ai vu l'escadron Vanguard dans d'innombrables missions. Je sais de quoi il est capable. Pour combien de temps ? Quelle question ? Vanguard, j'y suis. Soyez patient pendant que je répare tout ça. Il tire sur quoi, l'Empire? Ah, la frégate qui est là-bas. D'accord. Hey, le centre de diffusion fonctionne. Ok. Le système fonctionne, mais il a morflé. Il va me falloir du temps pour remettre tous les satellites en état. Ah, à ce moment-là? Ah, ça va. Vite! Chasseur TIE détecté! Je crois que l'Empire a compris ce que nous étions en train de faire. Mine tourelle, vous pouvez déployer des mines tourelles près des objectifs pour les défendre. Ah, ça c'est bon ça. On a maintenant des tourelles. Restez en vie. Prenez un bouclier tactique. Je suis à vos côtés. Vous êtes en sécurité. Bon pour moi.
fait. Quand vous travaillez ensemble, déjà fini. Vous êtes vraiment impressionnant. Entièrement d'accord. Comment ça se passe, Derek Norman? C'est bon. Les satellites rebelles sont actifs. Protégez-les. Plus on en a, plus le signal de détresse sera puissant. Quand les satellites auront fini d'amplifier le signal, j'enverrai notre appel de détresse à la Nouvelle République. Compris, on empêche l'Empire d'approcher des satellites relais. Exactement. Parce que s'ils les détruisent tous, ça sera la fin. Je le remets. Il ne faut pas que l'Empire détruise les satellites relais. J'ai un bouclier en plus pour vous. Votre TIE arrive sur nous. Ils envoient des bombardiers TIE. Ça se complique. Thank you.
sans primeur et les fuit. On dirait que notre travail est terminé. Ah bon? Voici un autre bouclier. Parfait. Le signal a retrouvé sa puissance. C'est quand vous voulez, commandant James. Transmission, ici le commandant James, depuis la nébuleuse de Ringali. Je demande une aide d'urgence. Merci, Zeretta. On n'y serait pas arrivé sans vous. Ça, c'est clair. Vol melon, pas trop dur. Commandant James, on se regroupe avec Zeretta et on vient vers vous. Bon, le tempérance se rend de l'autre côté de la lune. On se retrouve là-bas. Commandant, où est le Starhawk? Il a subi plus de dégâts qu'on le pensait. La générale Syndulla a fait évacuer tout le personnel sur le tempérance. Oh là, ça pue ça. Si le monsieur est déjà mort, ça pue. On ne peut pas l'abandonner. On peut se permettre de perdre le prototype? Pas ceux qui l'ont construit. Vous allez les évacuer. Comment? L'hyperdrive du tempérance est endommagé. Ils y travaillent. Comptez sur moi. Je vais faire diversion. La rébellion m'accueillait. Aujourd'hui, je rejoins le combat avec honneur. Non, pas ça. C'est ce qui doit arriver, Keo. Par ailleurs, si quelqu'un peut attirer l'attention de Terissa, c'est moi. Et vous, menez nos défenseurs. L'avenir du projet Starhawk, et peut-être de la Nouvelle République, est entre vos mains. Avec tout le respect que je vous dois, vous ne tiendrez pas une seconde en solitaire là-bas. C'est sûr. Mais, grâce à vous, j'ai pu appeler de l'aide. Commandant James, ici l'escadron Anvil. On a reçu votre message. Nous sommes là. Bonne chance, Vanguard. Que la Force soit avec vous. Extraordinaire. Et en plus, la première fois qu'on entend la Force est avec vous. Première fois, le rapport avec le Jedi. Enfin, la Force. Waouh. Bon, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve pour le prochain très vite. Allez, à plus.